Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo PEPS euh, au sujet de l'espérance de Spécial Vie que nous commentons euh, mois après mois. Euh, pour euh, cette nouvelle vidéo, nous commenterons les, les chapitres, euh, les numéros 35 à 40 qui euh, constituent une partie qui s'appelle Agir et souffrir comme lieu d'apprentissage de l'espérance. Benoît XVI aborde ici sans doute la partie la plus centrale, une des parties les plus centrales de, 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 son, de son encyclique, puisqu'il traite ici de ce à quoi nous songeons assez facilement lorsqu'il est question d'espérance, c'est-à-dire de la souffrance. Euh, alors, il va d'abord, dans un premier temps, évoquer la question de l'agir, et on va voir que justement, il y a une dimension assez morale ici dans cette, dans cette encyclique. On y lit, dans cette partie-là de l'encyclique, on y lit à la fois la morale comme étant aussi le gage de, de, de réalité à venir. Il commence par nous dire que tout agir sérieux et droit est espérance en acte. Voyez, C'est là qu'on commence à voir que la morale, et il fait ce lien très intéressant qui, qui mérite d'être fait plus fréquemment, le lien entre la morale d'une part et de l'autre, ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire les fins dernières, hein. Comment ma manière de considérer la fin des temps, eh bien, euh, oriente, qualifie ma manière d'agir au présent C'est une question très intéressante, et évidemment, la foi chrétienne euh, n'est pas sans nous aider sur ce chemin. Euh, alors, il nous avertit qu'il ne faut pas non plus tomber dans un agir qui pourrait se changer en fanatisme que l'agir n'épuise pas complètement le sens de, de notre relation à Dieu ici-bas. Il ne faut pas non plus nous y complaire et que notre agir n'est pas grand chose sans le pouvoir indestructible de l'amour, voilà, qui donne un sens, une importance, qui sont telles que euh, une, une telle espérance que euh, euh, on, peut, euh, on peut continuer à vraiment agir et poursuivre parce que parfois on se, on se fatigue. Le ciel, nous dit Benoît XVI, est toujours plus grand que ce que nous méritons. Et, et le royaume de Dieu est toujours plus vaste que nous-mêmes. Hein, on ne construit pas véritablement le règne de Dieu, nous dit-il même. Hein, c'est très fort. Hein. On construit plutôt le règne de l'homme, hein, avec toutes les limites qui sont propres à la nature humaine. Le règne de Dieu, lui, est plutôt un don, et c'est pour, pourquoi justement il est grand et beau, et il constitue la réponse à l'espérance. Voilà, le règne de Dieu, il se bâtit, ben plutôt par nos mains, mais indistinctement. Et on sait bien, Jésus nous disait, ben on pourra pas dire il est ici ou il est là, n'y allez pas, etc. Enfin, voilà, euh, le Seigneur nous dit justement, voilà, n'y allez pas, <laughs> euh, n'allez pas à ceux qui vous disent, ben le règne de Dieu, il est là. Voilà, non. Il y a quelque chose d'une vérité mystérieuse qui nous dépasse parce qu'elle nous est essentiellement donnée ce qui peut agir, nous permettre de bien agir c'est sans doute euh, l'exemple le rapport à la nature par exemple voilà ce que Benoît XVI nous évoque c'est le bien agir c'est peut-être euh, l'éthique, en fin de compte, c'est peut-être euh, d'abord de regarder notre habitat et de nous y plaire, de, de, de le gouverner, de chercher à le gouverner euh, bah, comme Dieu le ferait, et en tenant compte de sa nature intrinsèque, de sa finalité, euh, et tout ça en dépit des adversités. Voilà. Il y a une, la question écologique, elle est certainement source euh, d'espérance en acte. Voilà, elle, est, elle, elle est véritablement l'espérance en acte. Puis évidemment, nous parlons de la partie, les parties les plus importantes, euh, concernant la souffrance. Euh, il, après avoir évoqué la souffrance comme venant du péché, il y a euh, cette idée que... Euh, nous pourrions euh, nous-mêmes surmonter cette souffrance, ben voilà, c'est pas possible. Elle est la somme de tous les péchés qui sont accumulés depuis le début de l'humanité. De, de hein. euh, donc il faut avoir ça en tête tous les désordres du monde que façonne le péché organisent, orientent tout vers une forme de souffrance, provoque la souffrance dans le cœur de l'homme. Et le seul qui peut remédier à cela, nous dit-il, ben c'est Dieu et Dieu seul, et on ne peut pas s'en extraire. Hein. Euh, c'est quand même ce réalisme chrétien qu'il faut avoir en tête, c'est que même le pouvoir, de la, le pouvoir de la faute demeure même dans l'avenir, hein, et une comme une présence terrible, le pape ajoute encore. Hein. La foi ne résout pas tout. C'est une idée un peu fausse hein, qu'on qu pourrait avoir d'un peu danger d'être dans l'angélisme, en disant ⁇ Bah oui, je crois, donc je vais plus avoir mal ⁇ euh, non, 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 c'est pas comme ça. Hein. Euh, donc, déjà avoir un regard très clair sur ce qu'est la souffrance. Et puis ensuite, arriver à l'affronter euh, moralement. Alors, la, une des réponses possibles à cette souffrance dont, par, face à laquelle on ne peut rien faire, ce serait justement de chercher à se soustraire à elle. Hein, euh, Peut-être s'épargner. Aussi la peine et la douleur d'une certaine vérité, vérité euh, par rapport au réel, hein, de quelque chose qui existe, qui est là, présent dans ma vie. Euh, Peut-être aussi euh, de se dérober à ce qui m'incombe lorsque je pourrais voir quelqu'un souffrir, à l'empathie naturelle qui jaillirait de, de, de la vision de quelqu'un qui souffre. Ça, c'est rester dans une façonnée, d'une certaine façon, un genre de confort. Euh, ben, tout ça c'est bien, mais ça ne permet pas de répondre à certaines questions. Ça n'épuise pas complètement euh, mon rapport à, à une certaine euh, un vide de sens. Il hein. n'y euh, a peut-être pas la souffrance, mais il y a peut-être une obscure sensation, nous dit Benoît XVI, du manque de sens et, et la solitude. Ça n'empêche pas qu'on reste seul. Alors la réponse, elle est dans le fait d'accepter les peines. Et il nous donne l'exemple euh, ici d'un martyr vietnamien, euh, Paul le Baotine, euh, qui, euh, qui lui-même a, a su dans son, dans son témoignage, nous montre comment il, il a cherché à s'unir au Christ. Le Pape dit, c'est une lettre qui vient des enfers, hein, son témoignage. Mais qui est descendu aux enfers avant lui Eh bien c'est le Seigneur qui s'est fait proche de chacun en transformant pour lui les ténèbres en lumière. La souffrance, les tourments restent terribles et quasi insupportables, cependant l'étoile de l'espérance s'est levée, l'encre du cœur arrive au trône de Dieu. On pourrait dire que le témoignage du Christ permet aux martyrs de trouver une source, une source à la fois intellective et émotionnelle de l'endurance devant le mal, de la source de la piété et la source du pardon. Le Christ est, est vraiment celui qui est venu ouvrir un, un, un champ pour notre action, mais qui aussi nous donne, les, nous donne la, la certitude que ce qu'il a fait parviendra à sa fin, et ce, en chacun. Et, et ça, pour un martyr, c'est très important, et pour chacun d'entre nous aussi. Il nous faut donc accepter cette souffrance. Et la première chose à faire, c'est que notre humanité doit être capable de de faire face à la souffrance, de l'accepter en l'autre euh, et d'y trouver un sens. Voilà. Euh, je, ça n'a pas beaucoup de sens de, de se dire que euh, je compatis. Si moi-même je compatis, c'est bien, mais c'est toujours subir la souffrance de l'autre. Il faut que j'accepte cette souffrance. Voilà. Et donc euh, il faut que je sois euh, capable de cela. La mesure de l'humanité, nous dit Benoît XVI, se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Voilà. Euh, donc il est bon d'arriver à se dire que euh, je vais sortir de mon petit confort personnel, de mes petites commodités, comme il dit pour faire face à la souffrance de l'autre d'y trouver un sens et d'apporter à cette personne ce dont elle a besoin euh, c'est-à-dire quelque chose qui nous rassemble au-delà de la souffrance elle-même une présence euh, qui affirme une volonté d'être en, dé, en dépit du mal voilà euh, voilà vous lirez aussi ce, que il peut être, ce dont il peut être question pour ceux qui euh, voilà pour, pour ceux qui euh, je dirais, sont consacrés ou bien, euh, ou bien euh, mariés, pour finalement toute personne. Mais euh, se dire que le oui de l'amour, hein, être auprès de quelqu'un comme le Seigneur, c'est dire oui jusqu'au bout à tout ce que cette personne est et m'évoque. Et ça, peut-être que ça peut ça, ça suppose à un certain moment, oui, et ben de se laisser purifier, émonder, blesser. Euh, et l'amour ne peut pas exister sans ce renoncement qui m'est aussi douloureux à moi-même, voilà. Autrement, euh, c'est une forme d'égoïsme. Autrement, euh, ben, il s'annule, hein, euh, lui-même comme tel. Ça ne sert à rien de dire que j'aime quelqu'un si je suis pas capable d'aller jusqu'au bout de ce que je suis, de... si je suis pas capable de rester moi-même à chaque étape de la vie de cette personne, euh, quitte à ce que ça suppose euh, de se laisser un peu purifier personnellement et de souffrir personnellement aussi. C'est là le, le sens de, de, du don de soi. Voilà. Alors, il s'agit de combattre, mais ce combat, fondamentalement, Dieu l'a fait. Si nous en sommes capables, nous dit Benoît XVI, c'est au fond parce que on, Dieu l'a fait lui-même. Dieu ne peut pas souffrir, nous dit-il en citant saint Bernard, mais il peut compatir. Et Dieu a voulu compatir avec l'homme de euh, chair, avec la chair et le sang. Voilà. Euh de là dans toute souffrance humaine est entré nous dit euh, benoît xvi quelqu'un qui partage la souffrance et la patience de là se répand en toute souffrance la consolation la consolation de l'amour qui vient de dieu et ainsi surgit de l'étoile de l'espérance nous sommes donc euh, amenés à, à traverser nous pouvons parce que le seigneur l'a fait lui-même traverser les peines les douleurs les petites épreuves comme les grandes euh, parce que Dieu l'a fait personnellement. Et on voit bien comment, euh, en cherchant des idéaux plus nobles, de la justice, de la vérité, en s'accrochant à eux, mais pas simplement comme des éléments, euh, comme, ce, comme des idées, de vagues idées, de vagues, des valeurs très belles, certes, mais euh, très humaines, en fin de compte, très hautes, mais, mais qui restent complètement humaines, mais plutôt comme la réalité du royaume qui est là. Qui est en acte depuis que le, depuis que le tombeau est vide, voilà, euh, depuis que le Christ est descendu jusqu'aux enfers et en est revenu. Euh, si j'agis avec cette perspective-là, alors je peux traverser des crises. Hein. On, on voit bien comment on peut traverser des crises lorsqu'on rappelle à chacun le sens de l'être. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis il y a des personnes qui peuvent nous évoquer aussi la douleur d'être passé de la mort à la vie, euh, aussi parce que elles ont. Euh, au, en, en traversant une grande épreuve, euh, dû renoncer à certaines choses, parfois, donc on pourrait penser un peu essentielles, mais alors qu'elles ne le sont pas, pour que la vérité et la justice puissent prévaloir. Ça, c'est très important. Peut-être qu'il y a des personnes qui. Euh, voilà, moi, je, je crois avoir dans mon entourage quelqu'un qui a fait ça, qui a su souffrir, au point de devoir faire un certain nombre de sacrifices dans sa vie, mais pour rester lui-même, et pour que la justice, la vérité, euh, le sens de, de la vérité reste et demeure. Voilà. Euh, alors voilà, on peut, on peut penser à des personnes peut-être hein, qui voilà. La capacité de souffrir, nous dit Benoît XVI, euh, par amour de la vérité, est la mesure de l'humanité. Cependant, cette capacité de souffrir dépend du genre et de la mesure de l'espérance nous, que nous portons en nous et sur laquelle nous construisons. Enfin, dernier paragraphe sur la mortification. Il y a des personnes euh, qui, euh, voilà, qui comme saint Paul complètent dans leur chair euh, les souffrances qui restent, euh, ce qui reste à souffrir du, des, des souffrances de la croix. Euh, eh bien, on peut se rappeler euh, peut-être quelque chose qui est un peu passé euh, dans notre, dans la, dans la spiritualité, un peu passé dans le monde, c'est de, de, de souffrir. Mais comment je cherche à, quand je souffre à, à offrir, mais ça au Seigneur, voilà, qui, qui est là sur la croix et à compléter cela pour le monde, pour le salut du monde, pour une cause particulière. Ces personnes euh, étaient convaincues, nous dit le Benoît XVI, de pouvoir insérer dans la grande compassion du Christ leur petite peine, qui entrait ainsi d'une certaine façon dans le trésor de compassion dont le genre humain a besoin. Trois questions pour terminer. Ai-je un jour eu le sentiment que ma façon d'agir avait changé le cœur des autres, vers davantage de paix et de joie, vers davantage d'espérance Deuxième question ai-je un jour traversé une épreuve qui m'a imposé un renoncement douloureux, mais afin de rester juste et vrai Ou afin que la vérité et la justice prévalent Et enfin, offrir ses peines à Dieu, euh, comment est-ce que je le vis Qu'est-ce que je fais de mes peines Et vis-à-vis -vis de Dieu, comment je fais lorsque je traverse la souffrance Comment ça se passe euh, que, comment je m'y comment je prends et comment est-ce que je l'inculque aux autres, ceux qui sont autour de moi euh, en en témoignant mais aussi les plus jeunes dont j'ai la responsabilité. À très bientôt et euh, belle méditation, beau partage en groupe.